Bonjour à tous, on est lundi, Je ne sais pas. le 10 juillet. Je vous retrouve dans mon atelier. Je vais préparer des hottes de Noël, des bottes pour ma boutique. Enfin, surtout pour les marchés de Noël, je vais commencer. Et j'ai encore des pochettes à livres à faire. Enfin, j'ai toute une liste de ce que je dois faire. Donc là, j'ai ma botte. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière, on avait fait avec Émilie. Donc ça c'est notre modèle. Oui, il faut que j'enlève mon drap là parce que ça y est, mon frère m'a installé la clim, donc il faut que j'enlève le drap parce que mon mari m'avait mis ça. Mais voilà, bah, les hommes, ils défont pas tout, après ils rangent pas, n'est-ce pas? Voilà. Et là j'ai déjà deux bottes rouges, une botte rose claire parce qu'on avait du tissu. Une dame qui nous avait demandé, qui nous avait commandé une hotte rose clair pour sa fille pour Noël. Donc on a du tissu rose clair. Voilà, et ensuite, eh bien, il va falloir que je passe ma commande. Oh pardon, je vous ai peut-être un peu. Ouh, vous avez fait ça là, non? Ensuite, il faut que je commande du tissu. Voilà, donc là, je vais vérifier aussi mon tissu que j'ai, le vert, le rouge et le tartan. Et ensuite, eh bien, je vais commander du tissu parce que là, j'en ai plus. J'ai plus de lin. Voilà, enfin, la toile de jute. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais travailler. Bonjour à tous, on est mardi 11 juillet, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je me lève juste. Il est 7h54, il fait pas très beau aujourd'hui. Ben non, le soleil est pas là, il est parti se cacher. Hier soir, il y a le monsieur de la piscine qui est venu, qui a déposé sa pelleteuse, donc ils vont arriver ce matin vers 9h, enfin ils vont, non, il est tout seul, hein, le monsieur. Il va venir vers 9h, entre 9h et 10h.
Il va commencer à creuser le trou. Oui. Sinon, hier après-midi, j'ai fait des gâteaux. J'ai fait une tarte aux myrtilles et un clafoutis avec les fruits qui me restaient. Donc, j'avais des fraises et des abricots. Voilà, donc celui-ci a déjà été entamé. Et c'est un peu acide. Ça, c'est trop bon, par contre. Voilà. Sinon, le programme de la journée, je vais repasser un petit peu avant que le monsieur arrive. En me faisant mon petit cappuccino. Voilà. Ensuite, j'irai coudre. J'espère que je peux. Découper du tissu. Je vais vous montrer mes petits oiseaux. Alors, le petit oiseau, c'est un petit merle en fait. J'ai trouvé. On l'a appelé Merlot, n'est-ce pas? Pour le moment, j'ai trouvé une petite cage. Je l'ai mis dans une petite cage. Le temps qu'il apprenne à voler et après on va le libérer. Bon, là, il se nourrit encore. Je l'avais mis à manger par terre, mais je ne sais pas s'il a mangé. Non, il les a éparpillés. Là, il se nourrit encore à la béquille. C'est moi qui viens à manger. Et sinon, nous avons des bébés canards. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés. Donc, cette fois-ci, on les a mis en couveuse, en éleveuse. Voilà, ils sont là. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Ils ont déjà mis le bazar. J'en ai 6. On les a récupérés cette fois-ci. Parce que la dernière fois, la maman les a tués. Je ne sais pas pourquoi. Donc, aujourd'hui, je les ai tous récupérés. Voilà. Mais là, ils barbotent. Ils sont contents. Allez, c'est parti, je vais me faire un petit cappuccino et je vais aller repasser un petit peu, tant qu'il fait frais. Regardez, il y a un bébé oiseau qui s'est installé. Enfin, c'est un bébé oiseau, c'est un jeune oiseau, je ne sais pas si vous le voyez. Il est là, là, ici, là. Il s'est installé sous mon petit chalet, il est à l'ombre, il fait sa petite toilette. Il est trop choupinou. Bon, sinon je vais vous montrer. Les gens sont venus faire le trou pour la piscine. Voilà, voilà. On a déjà de l'eau dans le fond. Nous, c'est marécageux chez nous, donc forcément, on a de l'eau. Donc, elle descend profond parce qu'elle va jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et elle fait 10 mètres de long. Voilà, ça va faire un joli trou. Enfin, après, ça fera une jolie piscine. Bonjour à tous, on est dimanche 16 juillet, il est 10h43, je vous retrouve, enfin, je vous ai pas repris du week-end, n'est-ce pas? Ben oui, j'ai passé mon samedi soir au Francofolie de La Rochelle et hier soir au coin des soeurs de Mylène Farmer, donc voilà, j'ai fait route, dodo et concert. Je vais vous montrer mes petits titis, ils vont bien? Alors, on a toujours le petit oiseau qui est là. Il mange toujours pas tout seul. Hein. J'ai mis à manger par terre, mais il pique au repas. Il attend qu'on vienne lui donner la béquille, monsieur. Sinon, il vole dans la maison, ça y est. Et là, nous avons les petits canards. Alors, attendez, je vais vous montrer de plus près, parce que là, hop, donc ils sont dans l'eau. Hein. Ils adorent, comme tous les canards. Et voilà. Ils vont très bien. Ils en mettent partout. Voilà. Et nous avons des nouvelles petites poules que Maëlie a récupérées à son stage. Donc, je vais vous montrer ça de suite. On a Gérald là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, il se promène. Maëlie l'a sorti. Il adore parce qu'il gratte et il mange les racines. Coucou Gérald. Il est trop beau. Donc là, on a toujours les petits poules de Batam. Ils sont cachés là. Hop, on va voir si on les voit toutes là. Oui, elles sont là. Et nous avons des nouveaux pensionnaires. Alors, c'est des toutes petites poules naines. Les plus petites poules au monde, apparemment. Et elles sont là, voilà. On va pas leur faire peur. Bon, là, elles ne bougent pas. Elles ont déjà mangé. Elles découvrent. Elles sont toutes mignonnes, on les prend dans les mains, elles ne bougent pas. Ça, tu pignoles. Donc, il y a un petit coq, donc c'est celui qui est tout à fait à droite, là, avec sa petite crête rouge. Voilà. Et ces deux petites femelles. La cohabitation se passe bien, parce que les petites poules à côté, les petites poules de Batam n'ont rien dit. Donc là, elles se familiarisent avec leur petit environnement. Donc, si vous voyez, elles ont bien leurs ailes qui tombent. Voilà, c'est les particularités de cette petite poule. Elles ont les ailes tombantes.
Elles sont super douces et super gentilles. Voilà. Bon, sinon, côté travaux, mon mari a repeint tous les murs de la maison. Et les filles, hier soir, ont peint ce mur-là. Donc, bon, ils ont fait qu'à la première couche. Donc, il va falloir en refaire une autre. Donc, c'est un bleu canard. Voilà, je mets un peu de lumière, mais ça ne se voit pas trop. Là, il n'y a eu qu'un seul pot. Voilà, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Mais mon mari ira en acheter un autre demain pour en mettre d'autres. Et ce petit carré que vous voyez, là, ça sera la couleur définitive. Ça va être trop bien. Bon, sinon, côté lecture, je suis toujours en train de lire Comme dans un roman d'été de Émilie Henry. Donc moi, je l'ai sur ma petite liseuse. J'ai un tout petit peu lu hier dans la file d'attente, mais comme on discutait avec des gens devant, derrière, j'ai pas beaucoup lu. Voilà. Et ce soir, Élise fait un Ready Spring, donc on va pouvoir, enfin, je vais pouvoir en tout cas avancer. Et j'ai continué la saga. Alors attendez, je vais allumer la liseuse parce que c'est sur la liseuse. Comme le but c'est de finir un petit peu les séries en cours, les sagas en cours, je suis en train de lire Les loups de la montagne du démon. Et j'en suis au... Attendez, je fais des bêtises. Je surligne mes trucs. Ça aussi, on peut le faire sur la liseuse, mais... je suis à 39% de ma lecture. Et je ne sais plus quel tome c'est. Bon, je regarderai plus tard parce que là, j'ai rien allumé. Je crois que c'est le tome 3. Je crois que c'est le tome 3. Voilà, après, j'ai fait le point aussi dans ma boutique. Du tissu qu'il fallait que je rachète pour les bottes et les hottes. Donc ça c'est fait, j'ai racheté ça et bien je l'ai fait samedi avant de partir au Francofolie. Donc j'ai acheté ça, non hier, je l'ai fait hier avant de partir au concert. Oui c'est samedi, donc je l'ai fait hier. Voilà, donc voilà, j'étais plus dans ma boutique en fin de semaine que à lire en tout cas. Je reprends le travail mercredi, j'ai pas trop envie mais bon. Pas trop le choix, les vacances c'est fini, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais balayer et faire un peu de vaisselle. A plus tard. Bien, il est 19h40, j'ai fait un petit bain. J'ai terminé Les loups de la montagne du démon, le tome 4, donc c'est Asservi par les loups de Jasmine Wilder. Donc c'est une petite lecture de 200 pages à peu près. Là, nous allons suivre... Je ne sais plus son prénom. Je l'ai mangé. Myriam, qui élève ses neveux toute seule parce que son frère les a abandonnés. Enfin, les a abandonnés. Il lui a laissé. Il fait ça souvent. Quand il a une nouvelle copine, il s'en va avec sa copine. Il laisse ses neveux, donc ses trois garçons, à sa sœur. Enfin, il laisse ses enfants, pardon, à sa sœur. Elle se retrouve toute seule à les élever alors qu'elle était sage-femme avant. Et elle a arrêté d'être sage-femme parce qu'elle a eu un petit souci. Et maintenant, elle est serveuse. Voilà. Et donc, à son temps perdu, elle écrit des romans d'amour. Elle va être obligée d'aller se faire protéger par les loups. Donc là, elle va se retrouver chez Christophe et chez Lucas. Et on va découvrir pourquoi. Voilà. Sauf qu'elle, elle ne sait pas. Elle croit qu'elle est prisonnière parce qu'elle les a vus enterrer un corps une fois dans la nuit. Voilà. C'était sympa. Bon, ça se lit assez vite. C'est des petites romances... Bon, sinon, je vais les manger vite fait. Ce soir à 20h30, Élise fait un Ready Spring. Et je vais lire Soft Story of Stone, le tome 1 et demi. Donc c'est Mysteries of Stone Manor. Voilà, l'édition Grimoire. Magnifique. Il fait, je sais pas combien de pages il fait. Peut-être que je pourrais le lire pendant... Ouais, il fait 190 pages. Je pense pouvoir le lire dans la soirée. Voilà, allez, c'est parti, je vais manger et je m'occupe de ça après. Bon, le Ready Spring est terminé. J'ai bien avancé dans ma lecture de Mystery of Stone Manor. J'en suis à la page 138 sur, j'avais dit combien 190, non, quelque chose comme ça. Oui, voilà, donc il ne me reste pas grand-chose. Le manoir est hanté. Enfin, est hanté. Non, pas vraiment hanté. Il se passe des choses bizarres dans le manoir. Elisabeth, Nathaniel, Silas et Mercy sont bloqués dans le manoir. Ils ne peuvent pas sortir.
parce qu'il y a une mini tornade autour du manoir et donc du coup le manoir veut pas qu'ils sortent. Voilà, ils n'ont toujours pas trouvé la solution, le pourquoi du comment. Ils pensent que ce sont les cauchemars de Nathaniel. Sauf qu'ils n'en sont pas sûrs, voilà. Et lui, il dit que non, que c'est pas lui, il est pour rien, voilà, etc. Donc, ils vont un peu découvrir le manoir. On va apprendre qu'il y a des portes un peu cachées, etc. Et ils vont essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du manoir et pourquoi il ne veut pas qu'ils sortent. Voilà. Sachant que, logiquement, il devrait y avoir un bal. Le bal, je crois que c'est le bal de Noël. Ou le bal de... Ah, attendez, on le sait au début du livre. Le bal de l'hiver, voilà. Bon, c'est très facile à lire, ça se lit très très bien et c'est très sympa. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.